les gens pour danser, on ne les voit pas. Vous vous promenez dans la salle avec le téléphone. Ouais, non. En fait, vous comprenez les choses. Vous comprenez les choses. C'est le 31, le dernier jour de l'année 2020. Nous sommes déjà arrivés là-bas. C'est ça. Alléluia. Mais nous sommes aujourd'hui en 2020. Amen. Et nous entrons en 2021. Amen. C'est pas ça? Ça. Alors, nous avons déjà fini le problème de 2020. C'est pour ça que l'esprit a déjà traversé. Amen. Avant quelques heures. Alléluia. Amen. Nous aurions voulu voir les gens danser. Alléluia. Amen. Dieu mange la louange. Nous devons regarder la définition de la louange dans la Bible. Le psaume 150. Avec les cris, avec les danses, avec ceci, avec cela. Là, tu es en train de louer Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons entrer dans l'adoration. Nous accueillons notre bien-aimé, la sœur Lynn, pour nous conduire dans l'esprit d'adoration. Alors, très, très, très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ces moments de qualité que nous avons passés dans la louange. Amen. Amen. Nous sommes rendus à l'aube d'une nouvelle année, l'année 2021 qui s'annonce. Mais avant, il est de bon ton de faire un bilan de ce qu'a été l'année 2020. La pandémie à COVID-19 a été l'un des plus grands défis auxquels cette année nous a confrontés, de même que toutes les ramifications que nous y connaissons. Toutefois, Dieu nous a gardés et il nous a mis à part pour ces moments de témoignage et d'action de grâce, faisant ainsi de nous des privilégiés, des favorisés à sa gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir nous allons l'adorer. L'adoration consiste en la vénération de Dieu. L'adoration consiste en l'expression de notre amour et de notre attachement extrême à Dieu par la présentation de ce que Dieu est, c'est-à-dire ses attributs, ce qui fait qu'il est Dieu, et par l'énumération de ce qu'il accomplit, et même plus loin, par la projection de ce qu'il est capable de faire. Amen. C'est pourquoi ce soir, une favorisée de l'Éternel, d'entre les favorisés que nous sommes tous, va se distinguer dans une prière d'action de grâce à la gloire de notre Dieu. Et à sa suite, nous nous lèverons pour magnifier individuellement également mes enfants, pour lui dire merci et pour lui dire que nous sommes reconnaissants de ce jour auquel il nous a porté. Nous fermons nos yeux, nous disposons nos cœurs à adorer notre Dieu en esprit et en vérité, et nous l'adorons. Seigneur, merci, mille fois merci, nous te disons merci, merci Seigneur, Seigneur. Say
Seigneur, nous te rendons honneur et gloire. Nous magnifions, Seigneur mon Dieu, tes merveilles. Au terme de cette année 2020, tu nous donnes la grâce de reconnaître tes merveilles, de contempler tes bienfaits à l'égard, Seigneur, de l'humanité en général et en particulier pour cette communauté. Amen. Tu nous donnes l'occasion, Seigneur, à cette nuit de traverser, de témoigner tes merveilles, de te rendre honneur et gloire pour ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur notre Dieu, toi qui maîtrises le passé, le présent, l'avenir entre tes mains, Seigneur, tu avais vu ce moment trouble, tu avais vu ce moment de désolation, et tu t'es révélé, Seigneur mon Dieu, dans cette communauté. Seigneur, tu as donné ta parole, afin que nous soyons comme Jérémie, ce peuple consacré, mis à part pour ton œuvre, mais mis à part aussi, Seigneur, à l'abri de tous les dangers, de toutes les calamités, de toutes les agressions, de tout, Seigneur, les pandémies qui pouvaient s'élever. Amen. Et nous te rendons honneur et gloire, parce que nous avons expérimenté cette grâce. Amen. Seigneur mon Dieu, dans le monde, c'est vrai qu'il y a eu des troubles, il y a eu des pleurs. Seigneur, dans cette communauté, lorsque l'ennemi a voulu frapper, lorsque les symptômes se sont manifestés, lorsque le Covid a voulu siéger, Seigneur, par la puissance de ton esprit, Seigneur, tu as anéanti. Amen. Oh notre Dieu, Seigneur, tu n'es pas passé par l'industrie pharmaceutique. Ta parole a suffi et tu as utilisé les mains de tes serviteurs. Amen. Seigneur, des choses naturelles, Amen. Des choses simples, Amen. Des plantes, Seigneur, tu as donné la composition spirituelle. Amen. Et dans cette communauté, tous ceux, là, Seigneur mon Dieu, qui ont goûté, ont expérimenté la délivrance. Amen. Dans cette ville, ceux qui ont goûté, ont expérimenté la délivrance. Amen. Seigneur, ces produits ont voyagé dans le Cameroun et le peuple a témoigné de tes merveilles. Amen. Et ce soir, nous te disons merci. Amen. Merci, Seigneur mon Dieu et mon roi, parce que tu as regardé les accidents, tu as regardé les agressions, tu as dit que nous sommes à part. Amen. Et tu t'es levé, Seigneur. Nous pensons à ce mois de novembre, quand l'ennemi a voulu toucher ton serviteur. Tu as dit la voiture n'a pas besoin des ailes vagues. Seigneur mon Dieu, ton esprit l'a enveloppé dans une coquille. Et le chauffeur avec lui, ils sont sortis victorieux. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, merci, parce Seigneur. Que tu as agi. Amen. Tu as anéanti les agressions. Amen. Et surtout pour ta parole que tu nous as donnée. Amen. Que tu nous as donnée, Seigneur. Amen. Cette parole qui nous a consolés. Amen. Qui nous a édifiés. Amen. Qui nous a instruits. Amen. Qui nous a disposés, Seigneur, sur la bonne marche à suivre. Amen. Et qui nous permet, au terme de cette année, de contempler tes merveilles. Amen. Merci pour ce que tu as accompli. Merci, et Seigneur. Pour ce que tu continueras à accomplir en 2021. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, levons-nous. D'un cœur joyeux et reconnaissant, nous allons continuer d'énumérer les bienfaits de Dieu. Tu es le roi de tout.
a pas un seul mois de l'année où il nous a oubliés. Il n'y a pas un seul mois de l'année où il a été loin de nous. Il nous a conduits du commencement au terme de cette année. Énumérant ses bienfaits, prions au nom de Jésus-Christ. Oh,
C'est pourquoi nous espérons.